Est-ce que vous savez où je pourrais me fournir dans le quartier ? Ah, je ne sais pas du tout, je suis vraiment désolée. Ah. Vous voulez parler de quoi comme consommation ? Ah, de salade, de produits de saison. Ah, j'avais pas compris ça. Est-ce que tu consommes local de temps en temps ? Ça m'arrive, ouais. Fromage de Meaux. Il y a les cerises de Montmorency dans le 95. C'est venu progressivement parce qu'on est sensibilisés tous les jours. Je regarde les provenances et si je trouve des produits locaux, je trouve ça bien. Par acquis de conscience, je pense qu'on essaie de le faire, mais en général, c'est quand même plus cher. Combien de Français, en pourcentage, privilégient les produits locaux ? Je dirais 30%. 40, je dirais. 60 et 70 ? Trois quarts. 75% des Français. Ah oui, quand même. Mais c'est mieux de favoriser les trucs qui viennent de France. Pourquoi vous consommez local ? Qualité des produits. Et puis côté écologique. Faut faire vivre l'économie locale. Le truc carbone, là. Bilan carbone. Le bilan carbone, merci. J'ai envie de soutenir mon pays et encore plus ma région. Faut qu'on soit tous responsables. Mais vous savez qu'il y a plusieurs types d'agriculteurs. Par exemple, si je vous parle de la sylviculture, qu'est-ce que c'est ? C'est les arbres, non ? C'est les arbres. C'est les arbres. Un petit peu d'aviculture, peut-être, non ? Non. C'est les oiseaux. La conchiculture. Bah, c'est les huîtres, non ? Pas loin. C'est les coquillages. Dans mon pays, j'ai décidé d'investir dans l'agriculture, mais pas ici. Bah, c'est parfait, on va dire. On en dirait dans combien de temps ? On dirait dans 5 secondes, on va dire que vous êtes agricultrice. Bonjour, je suis en direct avec Jessica. Alors Jessica, vous nous disiez que vous bossiez dans la conchiculture. Ça consiste en quoi ? C'est les coquillages. C'est les coquillages. Ah oui, les coquillages, exactement. Donc avec ça, on va essayer peut-être de faire des colliers. Vous m'avez cassé mon direct. Mais vous savez, un grand président a dit un jour que la richesse du pays se repose sur l'agriculture. Je sais pas comment vous allez vous en sortir là, mais tenez, je vous laisse ça. Terminez le reportage. Allez, bon, au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Allez, on prend sa petite souris et on clique. Merci, à bientôt.